Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de RimWorld. Nous sommes toujours en live sur Twitch. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Rosyres en rang 2 surtout, sauf le nettoyage. Parce qu'il me faut un nettoyant niveau 1. Et le problème, c'est que voilà, on avait un petit peu de sang qui traînait, ce genre de choses. Après, on a Captain qui a pas l'air de faire d'artisanat alors qu'il est assigné pour. Je vais le mettre au niveau 2 du coup, même s'il n'est pas très fort pour ça. Oui, j'ai un prisonnier, c'est Gundozer. Le Gundozer, il veut toujours pas rejoindre notre. Il y a d'ailleurs Isental qui s'est mise à faire tentative de recrutement. On est 84% de difficulté pour l'instant, donc ça devrait passer. Souffre un peu. Oh, commerçant du Bourg des Jardiniers. Bonjour, messieurs. Alors, qui est notre meilleur? C'était Captain, je crois. Hein. Ouais. Captain. Ah ouais, c'est vraiment... Il n'y a que lui-même, d'ailleurs. Il vaut mieux pas qu'il crève. Hein. Voilà, on va essayer de négocier un peu avec eux. Ils viennent avec des grizzlies, des éléphants, des buffalos. C'est pas mal du tout, ça. Bonjour, messieurs. Arrêtez de te déplacer, faut que je te parle. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont de l'or, du bois, de la bière, des blocs de marbre, on s'en fout, de l'acier, des médicaments, ça pourrait nous intéresser. Des animaux, mais regardez-moi le prix. Super cher. Les panthères, moi je les garde, je vais pas les revendre. Après, on pourrait leur vendre un peu de viande. On en a besoin de notre viande. Du cuir, par contre, on pourrait leur en vendre un peu. Contre un petit peu de médicaments. Ah, la fourrure de chinchilla, ça vaut des thunes, ça. Plastacier, uranium, houblon, ça m'intéresse pas. Des composants, j'en aurai besoin plus tard. Prendre un peu histoire d'en avoir. Et après, ça va être tout pour l'instant, je pense. Les amis automatiquement quelque part ou il faut aller les chercher? Alors, non, ils vont peut-être venir me les déposer, je pense. T'as des grizzlies, ça aurait été classe quand même. Il manque un bout de toit ici. Mais ça va, oui. Ils traversent ma colonie avec leur grizzly, quoi. Oh merde, raid. Oh putain, ils sont trois. Ils ont des fusils. Ça va être chaud, ça. J'espère qu'eux vont rester là le temps qu'eux attaquent. Ah, on a réussi à convertir un alpaca. Non, on va pas la battre. Je le fais rester chez nous pour l'instant. Et cet alpaca d'ailleurs, je crois qu'on peut... Non, on peut juste la battre. Ok. Bon, dans l'idée, il faudrait quand même que je prenne tout le monde. Je vais faire revenir à la maison. J'ai pas assez pour acheter Grizzly. Et qui est de mauvaise humeur. Isental. Oui, bon, ça va. Alors, on va essayer, je pense, de se caler. Peut-être essayer de se servir des bâtiments pour nous protéger. On a des visiteurs en plus. D'accord.
Ça va être intéressant. Là, il lance l'assaut. Ok, donc eux sont toujours là. Allez-y, battez-vous. Yes. On va s'avancer un tout petit peu. On va voir si on peut pas leur tirer dessus, nous aussi. Ils sont pas à portée. Au moins, on va avoir des flingues. Allez-y, butez-les. Ah, merde, il est mort. S'ils crèvent tous, est-ce que je récupère les animaux? Yes. Bon, joli. Du coup, on va déjà tous les déshabiller. Apparemment, vu qu'ils sont pas tous morts. Essayer de récupérer leur flingue, leur bouffe, un petit pistolet et c'est tout ce qu'il y avait. Bien oui. Hop là, encore une capsule de cargo. Putain, mais il se passe plein de choses d'un coup, soudainement. De l'uranium, ça on pourrait le revendre. Ouais, donc ce qu'il nous faut, c'est des tombes. On va faire quelques tombes, je sais pas moi, par ici. Ça aurait été marrant qu'ils attaquent avec les grizzlies et les éléphants. Ah, d'ailleurs, Captain, debout, désolé, mais faut que t'ailles parler à la demoiselle, là. Bonjour. On va vendre le pila déjà. Des croquettes. Je savais pas qu'on pouvait faire des croquettes. Médicaments, on en a... ça coûte que 16. On va prendre. Je vais vendre mon arc court bâclé. On fera d'autres. Et ce sera tout. On va en faire quelques-uns des arcs courts. Bon, ça serait quand même pas mal que vous occupiez de tout ça là. Bon, consommer un cadavre d'humain, on va éviter. Captain, qu'est-ce qui lui arrive? Oui, il est blessé. Ah mais oui, on a toujours les mécanites, c'est vrai. Transporte les fusils, ce genre de choses. Ça va, tranquille, vous vous installez chez moi. Toi, tu pars marcher. Faites-moi les tombes. Ok, la caravane s'en va. J'ai mon alpaca, bah tiens d'ailleurs. D'autres zones de couchage du coup. C'est pourquoi je veux pas que vous mangez les cadavres. Mais vous êtes une tribu, mais pas une tribu cannibale. C'est pour ça. Je peux pas la détruire cette massue. Parce que je m'en fous un peu. On a un bon fusil à pompe quand même. Est-ce que je peux l'équiper avec ces gens? Alors, Isenthal. A priori, ouais. Ouais, John. Tu vas t'équiper du couteau. Vlad. Ce qui sera meilleur.
Je pense qu'on va faire... On va faire une zone de pâturage. Merde, qu'est-ce que tu fais là, toi? Mange pas trop, ça c'est pas grave. Donc, zone. Agrandir une zone. On va appeler ça... pâturage. Ah mais non. Déjà, je suis en QWERTY. Voilà. Donc, ça c'est pâturage. Alors, ça serait bien que les herbivores, ils bouffent... On va faire une zone comme ça. Comme ça, ce que je peux faire, c'est... oui, déjà, toi, je vais t'agrandir. Ah. Non. Exactement ce que je voulais pas faire. Ce qu'on va faire, c'est plutôt une zone ici. Avec un toit par-dessus, quand même. Cette zone-là, on va tout effacer et on va autoriser uniquement les végétaux. Je vais quand même juste un petit peu réduire la zone. Merde. Ah. En termes de végétaux, j'ai tout qui va se mettre, mais ce qu'il me faut, c'est du foin. On va planter du foin. Et je me demande si je peux pas le faire dans cette zone là justement. En fait du coup comme ça je peux mettre mon alpaca dans ses pâturages. Et faire une zone de production. Effectivement ici. Et on va faire l'herbe à foin, c'est ça? Voilà, comestible par les animaux mais pas les humains. Donc c'est ça. On va regarder Isental chasser. Ah non, elle est en train de... D'accord. Il, pardon, il est en train de... Isserion s'y met aussi. Alors, je veux juste voir, du coup... toujours à 5 en animaux, mais ça progresse doucement. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, donc on est en train de planter le foin pour les animaux. Alors, avec un peu de chance... J'enlève tout et que je laisse uniquement le foin. Ça, on stockera notre foin ici, mais on le fera pousser aussi sur place. Donc peut-être que nos herbivores pourront quand même bouffer sur place. Après, ah, j'ai plus de viande. Donc il est temps de retourner chasser. Alors, ici, on a une panthère mâle. Et encore une panthère mâle. Il n'y a que des panthères mâles. Bon, eux, on est en train d'essayer de les apprivoiser. On va éviter de les buter. Là, tu me le chasses. Le sanglier aussi. Pas beaucoup d'animaux sur cette carte. Ah non, c'est vraiment... Ben voilà. Quelques capybaras. On va essayer d'en chasser quelques-uns pour voir. Oh, travail de la pierre. Pour faire des blocs constructibles pour la construction. Alors, on va rechercher le brassage, comme ça si on veut faire de l'alcool, on pourra en faire. C'est déjà désigné, aussi. Oh. Merde, Isental s'est tellement fait repousser par Hypnos. Ah, ils s'entendent bien à la base. Mais non. Du coup, il a complètement pété un câble. C'est triste. Tu vas vraiment avoir besoin de ton... Ouais, mentalement brisé. Tout ça en est trop. Merde.
Une panthère femelle qui est en train de chasser mon alpaca à moi. C'est con parce que c'est une femelle. C'est pas grave, on va laisser faire. M'en fous, mon alpaca. Je veux l'apprivoiser à elle. C'est pas grave, on va le manger. Cadavre d'alpaga est réservé par panthère. Alors, tant qu'elle est en train de bouffer, je peux pas... Et toi aussi, t'es en train de bouffer? Ça va, tranquille. Partie du corps manquant, 36% du coup. Bon, bah, c'est pas grave. Un chasseur n'a pas d'armes. Oula, Isental. Ça va mieux? C'est bon, tu t'es remis? On dirait pas, hein. Pour briser. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Ah, Pizental. Oh putain. Oh putain. Hypnos. Enroll. C'est qui est encore à corps. Bon, déjà, toi tu viens là. Toi tu te réveilles et tu viens là. Perion. Attaque au corps à corps. Attaque au corps à corps. Un putain de cobra, faut le buter vite fait. Voilà. En mode chasse. Voilà, chasse-moi ce cobra déjà en priorité. Voilà. Bon, après elle est où la panthère là? Donc elle est ici. Quelques contusions. Mais Isental, il vient de se foutre à poil. Oh là là. Comment on fait pour arrêter le Tico-Tico Wandering? La nourriture se fait rare, tu m'étonnes. On s'est blessé. John est venu le soigner, donc ça va. Puis on a de la bonne médecine en plus. Et je peux rien faire pour... Non. Oui, je peux rien faire. Bon, et lui, là, il veut toujours pas nous rejoindre. Il a la dalle. C'est qui, notre geôlier? Captain? Waouh. De lui apporter de la nourriture, faut que tu viennes chercher un plat ici carrément. D'accord. Oui d'accord, c'est peut-être parce que c'était peut-être le plus proche. Voilà. Notre cuistot, c'est Hypnos, hein. Qui est notre médecin, John. A priori, voilà, ça va. Ok. Bon, tu comptes rester comme ça pendant combien d'années exactement? Ah, il est en train de crever en plus. On va essayer de l'arrêter. Isental. Le prisonnier. Serion. Mais non, mais je sais, il est déjà dans notre faction. Oula. Oui, bah ça y est. Bon. Mental Break Berserk, forcément. Voilà.
désaffecter parce qu'en fait ça va le mettre au final ici. Ok. Salut Pokiz. Bon, il a quand même pris cher, j'ai l'impression. On a quelques confusions. Et toi, bras droit. Ouais, c'est mauvais ça. C'est pas bon du tout même. John. John Isenthal. Ça va aller, je pense. Ok, si je regarde maintenant ton état, mis à part bien entendu le fait que tu t'es fait éclater, voilà, ça a l'air d'être allé mieux quoi. Du coup, il faut le nourrir. Voilà, la nourriture ça va mieux. On manque de médicaments. T'es en train de pousser ce truc, 45%. Il nous reste 6 herbes médicinales, c'est pas beaucoup hein. Les commerçants, ça tombe bien. Voir s'ils ont pas un peu de... Oh. Qu'est-ce qui lui arrive? Pigging out. Il a faim. Qu'est-ce que tu fais? Joue au fer à cheval. Ça m'arrange pas beaucoup, Captain, que tu pètes un câble. T'es en train de partir un peu en live, tout ça. Bon, la bouffe, ça a l'air d'aller quand même. Il va me falloir plus de... repartir chasser. Chasser les alpacas. Bref, je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. On vous souhaite une excellente journée, on vous dit à très bientôt. Pour la suite de ce let's play du coup. Salut à tous.